Ok, alors là je suis dans le village de Taoua, quelque chose comme ça. Je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est le village qui est juste à côté du lac où je suis. Et je vais voir un peu qu'est-ce qu'ils ont à proposer ici. Et je vais être le seul touriste hein, dans ce village. Hein. Je peux te le dire tout de suite. Hello, ça va des. Dis, c'est shampoo? Forêt? Forêt? Ah, ok, je vais peut-être en prendre. Which one is good? Ah, for laundry? Which one? Ah, this? Ok, can I one? Et voilà, du coup, ça parle pas trop anglais comme à chaque fois. Oh, no bag, it's ok. I have bag. Right. How much? 100 francs. So far, ok. Thank you. Bye bye. Communication toujours très compliquée. Hello, ça va, des? Alors, on sait pas qu'est-ce qu'ils font là, les chiens. Hein. C'est très bizarre. Bon, les chiens, au final, ont l'air assez calme ici. Contrairement ailleurs en Asie. Donc, ça, c'est. Là, voilà, c'est un shop. D'ailleurs, tu vois, le petit sachet que j'ai acheté là, c'est un grand classique que tu retrouves à plusieurs pays en Asie, notamment aux Philippines. Ils vendent plein de petits trucs à l'individuel. Pareil pour les cacahuètes, ce genre de trucs. Oh, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Oh, on dirait un marché. Hello, ça va des? Ok, donc là ils ont des petites friandises sucrées. Ah, ça va des. Ah, oh, this is for flies. For the flies? This? Yeah? Non? Je pense que c'est pour ça, non? Ok, speak English? English? Non? Non? Non, English? Non, English? Ah, oh, what is this? Cookie Lao. Cookie Lao? Yeah. Ok, can I try one? Can I buy one? 3000 kip, this one. 3000 kip? Yeah. Ok. Very good. Very good? Yes. Ah, you speak English? No. Yeah, you do. Yes. Small? Yeah. I can hear you speak English. Wow. Thank you. I will try it here. Is that hot? Hot. Hot. Yeah. So what do you have inside? Oh. What's inside? But what there is inside? Is that? What's inside? No. Oh. No. No. It's okay. No. Good. It's good. It's good. Good. Just like, what's this? Coconut. Coconut. Chuka. This is oil. Oil. Okay. Oil. Very hot. Oil. Oil. Can I get a tissue? Because very hot. Just yeah. Perfect. Very hot. From Taiwan. Oh, smell good. Smell like crepe. Ça sent comme les crêpes. Non, c'est bon. You want? Non? Ah, ok. Il a déjà mangé. Oil, same. Ah, you look like oil avant lui, non? Un très bon ça. Ça a le goût d'une crêpe, mais en étant plus épaisse. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis le papier dessus, mais c'est tellement chaud. Abadi, hairdresser. Elle lui a ramené la tête en mode reste là, toi. Génial, le salon de coiffure. Very good, hein. Lying here. Very good. D'être complètement allongé comme ça, c'est génial quoi. Ok, thank you. Kap chai. Ok, donc là on peut acheter un iPhone apparemment. C'est super intéressant. Ça va dit. Do you have iPhone? No. No iPhone. Because I say iPhone. Yeah. La iPhone, non? Donc là, on est sur le marché un peu plus classique. Et des oignons, des patates. C'était très bon sa petite crêpe en tout cas. Et là, ça va des épices. En fait, c'est un marché où ils mélangent la nourriture et en même temps des petits produits divers et variés. Là, il y a du poisson.
de la pêche, même du poulpe. Et pour l'instant, tu vois, ils ont une très bonne réaction. On n'arrive pas à communiquer verbalement, mais on arrive quand même à... Hello, Sabadé ! On arrive quand même à communiquer et tu sens qu'ils sont très accueillants dans leur manière d'être, dans leur énergie. Et la caméra ne pose pas du tout de problème. Je me sens ultra à l'aise de filmer ici. Chose qui est très agréable comme ressenti à avoir. Sans me confier, en même temps, ils vendent des épices. Hello, Sabadé ! I think I cannot go with that, no? With here, it's too complicated. Do you speak English? No, speak English. No, speak English? Oh. You speak loud. Nice air. No, just Sabadi and Didi. Oh, Sabadi. Oh. C'est là que tu vois la barrière de la langue. Faudrait que j'apprenne à dire au moins comment ça va, quoi. Histoire de communiquer un peu plus, parce que sinon... bon. Sabadi. Sabadi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hello, Sabadi. What is that? Nankwai. Nankwai. Is that fish? Fish? Nankwai. Is that dry fish? Quai. Ah, like fish? No? Water? Quai. Quai. Nankwai. Okay. Bon, allez, on va expérimenter le reste de la ville. Bye bye. Alors là, tu peux voir le calme de ce village alors qu'on est à 30 minutes en voiture de Vang Vienne et à 1h30 de voiture de la capitale Vientiane. Et ce village est d'un calme phénoménal. Alors, ça va aller. Bon appétit. What do you cook? What do you cook? Chicken. Oh. Oh, chicken. Pad Thai. Op chicken. Ah, so you have like this? Habua. This habua. Habua. And chicken. And chicken. And chicken. And like soy sauce. No. You speak English? You go to school? No. No English? No English at school? No. No English. Okay. Okay. Good. Ok, thank you. Bye bye. Je sens que l'entièreté du voyage va être comme ça. Calme, relaxant. Ils ont inventé un système extraordinaire. Attends, faut que je te montre ça. Plutôt que de le faire à la main, elle a inventé un système pour empêcher les mouches. Hello, Sabadé. This is good. Very smart. This for flies. Smart. Like this, it's good. Didi. Yeah, because normally it's by hand. Okay. By hand, and you like you create. Oh, me. Yeah. Yeah, very good, very good. Hello. Hello. Ah. Oh. Like birds. Ils doivent, je pense, les vendre. Bon. On arrive quand même à communiquer. Hein. Elle a réussi à créer un. Un système que je trouve vraiment, vraiment génial, quoi. Avec le moteur et tout, comme ça, elle n'a pas besoin de s'en occuper. On va aller voir là. Alors, il y a les poulets qui sont juste en bas. Là, il y a les bateaux de pêcheurs. Hello, Sabadé. Fisherman? No. This one? You drive? Ah, il a peut-être compris que je voulais faire un petit tour en barque. Hein. Ah, yeah, good, yeah. Ah, do all around, ok, Didi. Ce serait génial si vous pouvez me faire un petit tour avec ce petit bateau. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, c'est pas comme s'il allait faire quelque chose. C'est moi qui le dérange dans ce qu'il fait. Mais il faudrait que je reteste ça à un autre moment donné, parce que là, ça me paraît logique de lui filer un billet pour me faire un tour. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de voir si à un moment donné je vais voir des pêcheurs qui sont en action. S'ils me demandent quelque chose, le fait d'aller à la pêche avec eux, ou si ils le font gracieusement. Là, le contexte est particulier, donc ça semble logique de par l'essence et tout ça. Ah oui, il va prendre la petite barque et tout. Il y a un côté intriguant parce que tu vois, de par le fait qu'on soit des humains,
même si on parle pas la même langue, on arrive plus ou moins à communiquer et à se faire comprendre. C'est intéressant parce que là, de la maison, mais il y a de l'eau qui coule en permanence de la maison. Ça va être d'où sort cette eau-là. Les poubelles qui sont en bas, alors bien sûr, il y a plein de déchets et quand tu vois la plupart des déchets là, ils sont très très vieux. Ça m'intrigue de voir la réaction. En attendant, il a une réaction ultra positive parce qu'il a compris ce que je voulais. Il est motivé. Vu sa motivation, je pense que soit ça vient d'une extrême générosité, soit ça vient de parce qu'il se dit qu'il va pouvoir avoir des sous, chose qui est totalement normale en soi, tu vois. Hello, how are you? Fine. Good, yeah. Yeah. You're a fisherman? No. No fish. What's your name? Hong Han. Hong Han. Okay. Okay, Jean. Oh, okay. Nice to meet you. Il a une marche très dynamique. Hein. Hello, ça va aller? Dog's okay? Yeah? Hello, ça va aller? Bye. Bon, il faudra qu'on se mette d'accord sur un prix quand même, parce que je pense qu'il va y avoir un prix. Hein. Alors, en fait, il rajoute le moteur à la petite barque. L'eau a une couleur assez particulière, c'est un vert très spécial. Il y a des déchets qui flottent aussi dedans. Oh, heavy, hein? Okay. How much to look around? Oh, beaucoup. Oh. No, no. No? No. No? Oh, very nice, hein? Ok. Oh yeah. C'est super intéressant parce qu'ils ont. On va voir la stabilité de. Peut-être que je bouge pas trop. For sun. This, for sun. Sun, hot, sun. Oh, c'est génial. Donc, du coup, on part en douceur. Hein? Moving, hein? Dès que je bouge un peu, j'ai l'impression qu'on va prendre la flotte, quoi. Allez, il gère le tout avec son pied. Génial. Dédé, it's gone. Il y a un effet de vitesse quand même, hein, le fait qu'on soit si proche. J'ai l'impression qu'il faut pas trop. Vachement près de l'eau en fait. Ça fait pas mal de bruit et l'engin du moteur. On avance vite, hein. Il y a la petite pelle au cas où on prend la flotte. Il y a plein de petites îles en fait, tout ça c'est des îles. C'est une sorte d'archipel d'îles. D'ailleurs au Laos, il y aurait normalement, alors peut-être pas juste ici, je sais pas s'il est pris en considération, mais il y a 4000 îles au Laos. Ça va m'emmener à un endroit où il y a une sorte de natte pour les poissons. Opalelai. Ah. Okay. Ah, you put the net under and go up. Okay, with fish. Okay. Okay. Alors, je sais pas si tu peux voir là, mais il y a littéralement un petit bungalow de pêcheur, je pense, qui est sur l'eau. Magnifique. On a l'impression que c'est des montagnes, c'est connecté, mais en fait, il y a de l'eau qui englobe le tout à chaque fois. Et voilà, on est de retour. À la fin, il a mis la vitesse max. Ça éclate les oreilles. Je sais pas comment ils font pour pas devenir sourds d'ailleurs. Oh. Nice flower. Mmh.
Aïe aïe. Ah, chapchae Laila. Hey. Thôi cao. Do what? Thôi cao. No, please. Okay, okay. Thank you. Chapchae Laila. Okay, okay. Khop chai lai lai. Khop chai lai lai. Khop chai lai lai. Thank you. Bye bye. Bye. Okay, dog. Okay. 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 Bon, il m'a dit ok, mais je crois qu'il a pas compris. Hein. C'est par rapport au chien. On va voir si. Tabadé. Tabadé là. Tabadé. 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 Dog, ok. Ok. Je sais plus où il était, les chiens là. Tabadé. Dans beaucoup de langues asiatiques, je trouve que le bonjour il est très très agréable. Pour moi, c'était une bonne expérience. C'était très cool. Et tu vois, il voulait pas. À l'origine, tu sentais que ça. Il voulait juste me faire découvrir. Et bah voilà, je vais quand même donner un petit billet. Parce que bah, il a utilisé de l'essence, il a pris de son temps. Mais il se peut, c'est fort probable qu'il y a certains. Il y a certaines personnes dans certains pays qui sont pas encore développés au tourisme, mais qui voient que. Hello. Mais qui voient que le tourisme leur apporte un changement de vie positif dans la dynamique où ils ont plus d'argent pour se nourrir, etc. Qu'ils ont envie d'être très accueillants envers les tourismes, envers les touristes. Et voilà, ça c'est magnifique. Et là on arrive à Vang Bien. Ça va, des coûte cher ce péage. Hein. 24 000 pour 10 minutes. C'est un peu comme si t'es un petit repas en France, quoi. C'est aller 12 euros, on va dire, dans un petit restaurant. Et encore souvent 15. Imagine 10 minutes de péage, c'est 15 euros. Quand tu remets ça en perspective, ça fait assez cher hein, par rapport au prix d'ici. Alors là, ils ont plein de poissons grillés. On verra ça par la suite. On arrive sur Vang Bien. Voilà, donc des enfants sur des petits vélos électriques. Et apparemment, il y a plein de poissons grillés séchés. Là, je viens d'arriver à Vang Bien. Je trouve un petit restaurant qui a l'air d'avoir une vue assez sympa sur Google. On va voir ce que ça va donner. Hello, Sabadé. Sabadé. Can I sit? Ok. Bonsoir. Alors, la voiture est arrivée. Donc, sticky rice. Il me semble que c'est au Laos où il y a beaucoup de gens qui mangent du sticky rice par rapport aux autres pays d'Asie. Et là, du coup, il y a un plat local, j'ai oublié le nom, qui est fait à base de bœuf. Du bœuf avec de la menthe. C'est pas toujours qu'on mange un plat où il y a de la menthe dedans. Pour le coup, c'est très bon. Donc ça, c'était 60 000, ce qui représente 2,60 € avec le sticky rice. La menthe apporte un petit côté frais en fait au plat. Il y a des oignons, c'est rempli de menthe. Les tranches de concombre à l'intérieur, elles peuvent adoucir le plat. Le sticky rice, il est bien sticky. C'est intéressant qu'ils le mettent là-dedans à chaque fois. Écoute, on valide, c'est très très bon. Didi. Alors pour l'info, on peut se garer ici un peu n'importe comment. Tu vois, on peut se garer comme ça sans payer, il n'y a pas de ticket pour payer. Et c'est, on n'a pas à payer, donc c'est gratuit, donc ça c'est cool. Il y a l'air d'avoir une grosse communauté ici à Vang Bien de Français et une grosse communauté d'Allemands. Et regarde, elle s'est inventée une protection pour le soleil. Ah, this is good. This, Didi. Yeah, Didi. C'est pour for the sun. Ah, it's good. You make it yourself. Yeah. Bon, je sais pas si je vais rester dans cette ville très longtemps. Ce serait mentir dire que quand je vis à Bali, je passe mon temps avec des Balinais. Mais j'avoue que quand je voyage de manière courte, je préfère être au contact des locaux que juste passer mon temps avec des expats ou des touristes en fait tout court, même si ça peut être sympa. Mais sur un temps court, j'ai du mal à avoir l'intérêt. Quand tu restes un mois, deux mois, ça fait du bien de connecter avec des gens mais qui restent aussi longtemps que toi. Par rapport à l'Asie, ça c'est pas mouvementé ça. Mais par rapport au Laos, cette ville est beaucoup plus mouvementée
que la capitale. Chose qui est quand même vachement intriguant. Donc là, le sol que tu vois derrière par terre, ça c'est en Asie, en fait, il y a les égouts qui passent juste en dessous. Et en fait, ils ont mis juste des plaques. Parce qu'il se peut qu'il y a très longtemps, ce soit pas forcément des rice fields ici, après je sais pas, mais qu'il y ait de la végétation. Et en fait, le long de la route, il y avait peut-être pas tout ce que tu vois à côté. Et donc du coup, tu vas passer par là, changer un peu. Il y avait du coup cette eau qui coulait. À Bali, tu retrouves le même système. Ce qui semble bien là, à Vang Bien, c'est que les gens vivent dans Vang Bien. Alors que dans plusieurs régions touristiques, y compris Bali en fait, la plupart des Baliens ne vivent pas au cœur de l'endroit où il y a les touristes. Ils viennent là pour travailler et ils repartent. Là, ils ont l'air de vivre en plein cœur de la ville, quoi. Alors là, on est au coucher de soleil. Je voulais juste te partager un petit peu la vue. Je crois que je suis dans un hôtel, restaurant. Je suis rentré, il n'y a pas de barrière. La vue est géniale. Donc, je voulais te partager un petit peu ce coucher de soleil. Et je me suis retrouvé dans un hôtel, hein, pour une piscine plutôt sympa. Mais je voulais attraper un pont. Je pensais qu'il y avait un pont, mais il n'y a pas de pont. Donc là, littéralement, je me balade dans un hôtel sans être client de l'hôtel. C'est ma gestion. Ce qui est intéressant, c'est que l'aventure que j'ai vécue tout à l'heure, bah, d'autres la vivent ici, mais en payant une attraction touristique qui est de se balader sur le... donc là, ça va être le Mekong, je pense, du moins. On va voir s'il n'y a pas moyen de passer par un autre chemin. Alors, je ne sais pas c'est quoi qui se déverse, mais ça schlingue. Ça pue la mort. Tu vois la couleur de l'eau là? Tu te dis bien que... Il va y avoir les produits chimiques dedans ou un truc comme ça, quoi. Alors pour l'instant la ville a l'air relativement calme. J'ai re-expérimenté en marchant. On va voir si les choses évoluent par la suite ou pas. Mais pour l'instant ça a l'air relativement calme. Alors je pense sincèrement que Vang Bien, c'est fini. Il n'y aura plus le Vang Bien d'avant. Pour plusieurs raisons. J'ai ma propre analyse de la situation aussi. Bon, vu que le gouvernement il a mis de l'ordre, il y a juste 2-3 karaokés qui sont vides. Là on est vraiment à l'heure où normalement les gens viennent picoler dans tout. Tu vas à Koh San Road à Bangkok. Tu vas dans le sud. Non, dans le sud de Koh Phangan à Bangkok aussi. Enfin, dans les endroits ultra ultra alcoolisés, couché de soleil, les gens sont au taquet. Et là, bah, il n'y a plus rien. Et il se passe la même chose qu'à Pai, dans le nord de la Thaïlande, puisque j'avais beaucoup fait la Thaïlande à une époque. C'est-à-dire que, vu qu'ici, il y avait une ambiance très hippie à une époque, et bah, du coup, ça a attiré des touristes qui ne sont pas hippies, qui ne sont pas dans cette vibe. Alors, je pense pas que c'est eux qui ont transformé le décor du truc. Parce que là, et apparemment, ce serait justement ce fils d'un ambassadeur qui serait décédé de par la consommation de certaines substances. Et qui aurait fait en sorte que la police mette de l'ordre. Moi j'ai vu Pai se changer parce que la plupart de mes tatouages en fait viennent de Pai. Je suis allé me faire tatouer 3 ou 4 fois là-bas. À chaque fois je retournais en Thaïlande pour me faire tatouer. De par le prix du tatouage, le prix du billet et tout ça, je trouve ça super intéressant. J'ai vu Pai changer en mode vibes ultra hippie. Chose que je suis plus dans la vibes hippie, hein, je pense que ça se voit. J'aime bien rationaliser plein de choses. Très bel hôtel apparemment. Et donc du coup maintenant il y a des cars de chinois qui arrivent à Pai. Et vu que c'est un petit village, bah, du coup tu vois des chinois partout. Et là les distributeurs d'ailleurs, les distributeurs de monnaie, c'est des distributeurs chinois. J'avais pas prêté attention à ça, mais en fait les indications c'est en anglais ou en chinois, parfois français, mais sinon anglais chinois. Et voilà, donc je pense sincèrement que c'est un environnement très beau. Je peux te recommander de venir ici, les Laotiens sont adorables. Vang Bien est magnifique, je vais aller faire des petites randonnées par la suite. Mais venir ici avec l'idée de « Ah tiens, comme moi !» telle idée que je me faisais de Vang Bien d'il y a 10 ans. C'est-à-dire, enfin, la débauche. Je voulais voir ça de mes yeux en fait, avec le bucket, les machins. Mais c'est fini tout ça. Alors il y a le night market, on va voir qu'est-ce qu'il propose. Alors, à chaque fois ça sent... Ça sent la grillade quand tu marches. Ok. Ah ça c'est bon ça.
Dry mango. Hello, Sabadi. How are you? Ok, can I have one? Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ce genre de truc. Okay. Très bon. Kapchai. Ouais. Le tissu typique asiatique de Thaïlande. Yeah. C'est là que tu vois que Vang Bien était supposément, du moins, à une époque, une ville différente du Laos. Là, comment te dire, Vang Bien correspond à l'image du Laos, c'est-à-dire ultra calme. Écoute le son de ce night market. Zéro bruit. Chose qui est agréable, mais pour le coup, c'est un pays qui est très différent de l'Asie. Donc, si tu veux voyager dans un endroit en Asie où c'est calme, viens ici. Sabadé. Alors, can I eat here? Apparemment ici ils ont des sandwichs particuliers. Ils sont assez assez renommés pour leurs sandwichs. D'après Google, ils ont un menu comme tu peux voir où il y a absolument tout et rien. Voilà. Comme tous les restaurants en fait, la plupart ne sont pas spécialisés dans quelque chose en particulier. Sauf que apparemment, on ne peut pas savoir pourquoi les gens viennent ici juste acheter leur sandwich. Ah oui, ils sont super pas chers, c'est pour ça, ils sont à 20 000 de sandwich. Alors, like, which one is your most famous sandwich? Recommend? Yeah, which one do you recommend? Hot sandwich. Which one? Yeah, it's mixed all together. Is it mixed inside. With inside? Yeah, yeah. Okay, okay, good. Just one? Yeah, just one way. One hot sandwich. Yes. Dans un sandwich, du coup, il y a du porc, des œufs, du fromage, de plein de trucs apparemment. Nui, and what's her name? Nana. Nana and Nui. Ok. Nana and Nui, stop a chai. Yeah. What does that mean? Like you cook the food as well, with your mother? Yeah. Yeah? Cooking the food? Two. Two? All of it? And do you dance with music? Yeah. Dance as well? And dancer. Brother? Dancer. Dancer, ah. And this is your brother? Yeah. Yeah? What is this? What this is? Like sweet? Sweet? Ah, good. You like it? Didi? Yeah. Her menu. Her menu? Menu? No? No. You go to school? You go to school? And you learn English at school? Yeah. Oh, good. D? And your brother speak English? Yeah. Yeah? Hermano. Just you? Ah, sandwich. She speak good English? English, dis. Ah, ok. Kapchai lala. Le sandwich est arrivé. Il vient avec des patates. C'est fat, hein. Je voulais pas manger un truc si balèze. C'est très mignon d'avoir la petite fille qui venait me parler en fait à plusieurs reprises. Je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. Mais je sentais qu'elle avait envie d'interagir en tout cas. Les patates sont très bonnes mais très grasses. Moi je suis du genre à pas mettre de sauce, juste poivré de ouf. Les patates. Alors. Donc ça c'est. Sandwich spécial Laos. Ouais. Je sais pas si je vais finir ça quand même. Ok, il a l'air d'avoir une omelette avec du fromage, des oignons, du jambon, des sortes de knacky, le truc que j'ai pas mangé depuis plus de 10 ans. C'est un goût assez fumé. C'est bon, mais c'est fat. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui parle le mieux anglais. C'est la cette petite fille quand même. Et pendant ce temps-là, tous les adultes ils sont sur leur téléphone. C'est intéressant, mais c'est pas mon meilleur sandwich. Pour le coup, ça. Mais d'une manière générale, je pensais qu'ils allaient faire un truc plus du coin. Mais d'une manière générale, tu t'aperçois que
en Asie, le mieux c'est de manger des plats asiatiques. En Amérique latine, le mieux c'est de manger des plats d'Amérique latine. Toujours manger des plats locaux, quoi. Il m'a offert deux petites bananes, deux petites oranges. Mais même le sandwich, je sais même pas si je vais le finir. Toi, c'est too much. Thank you. Can I just one club sandwich? Yes. C'est qu'il a aussi. Ouais, bon, j'ai pas fini le sandwich. Je lui ai dit que j'avais plus faim, mais en fait, j'ai plus faim. C'est vrai. Mais c'était pas bon. Comme ça, il a là. Thank you. Ouais, non, c'était pas bon, je mangerais plus ce sandwich. Mais la petite fille était adorable en tout cas. Mais là, je vais me rentrer. Autant se coucher tôt, se lever tôt pour commencer de nouvelles aventures.